On est mercredi 11 juillet, il est 7h44, je pars au boulot et ce matin il ne fait que 13. J'ai envie d'éternuer. Il ne fait que 13 et c'était pas arrivé depuis je ne sais combien de semaines. Généralement, dès le matin, il faisait entre 17 et 20 degrés, donc il faisait très chaud. Et là, 13, il fait frais. On a l'impression de fraîcheur. C'est super agréable. Dehors, je porte mon petit gilet. C'est pour dire. Donc bref, donc la journée va être moins chaude et c'est très agréable. On respire. C'est rare quand on a... Enfin, je l'ai déjà dit hier, tu me diras. Mais c'est très rare quand on a des températures en excès comme ça très longtemps ici. Bon, ça nous arrive, mais ça ne dure pas 3-4 semaines comme ça, quoi. Donc, voilà. Et du coup, hier soir, on a mangé à l'intérieur. Voilà. Et on n'a pas fait de barbecue. Voilà. C'était la première fois depuis... désolé. Non, c'était la première fois depuis très longtemps, donc c'est marrant, quoi. Donc, journée aujourd'hui... Archi méga tranquille. Juste une journée de boulot. Ce soir, j'ai absolument rien de prévu à part passer à la pharmacie. Peut-être à la boulangerie aussi. Et puis, voilà. C'est tout. Donc, sinon, je suis tranquille. Pour l'instant, j'ai décidé que je ne faisais pas le ménage dans le champ d'Alexis. Enfin, je parle niveau poussière, aspirateur et tout parce que je vais attendre un peu parce que ça ne sert à rien. Il n'est pas dedans et. Quoi qu'un petit coup d'aspi, bref. Enfin bref, donc ce soir, glandouille. Voilà, en ce moment, c'est... Ça fait vraiment du bien. En plus, comme Alexis n'est pas là, du coup, dans le salon, au niveau de la table basse, par exemple, c'est toujours bien rangé. Enfin, il n'y a pas des trucs en plus qui se posent, qui machin, qui met en dessous et tout. Donc, c'est super agréable, quoi. Au niveau de l'entrée, des chaussures, ça aussi, les chaussures, hein. C'est plus nickel, enfin voilà, donc c'est... Et quand il faut ranger un truc, c'est... Voilà, ça prend... On range un truc, quoi. On n'en range pas 10. Enfin, bon, bref. Donc, le soir, je suis vraiment très zen, très disponible pour rien faire. Donc, ça, c'est bien. Ça fait vraiment du bien, sérieusement. Pourtant, comme je sais que vous dites, oui, mais t'as qu'un enfant, tu rentres tôt, nanana. Enfin, vous dites peut-être pas ça sur ce ton-là, vous dites, bon, t'as de la chance. C'est vrai, je le reconnais, mais je suis tout le temps sollicité. Du coup, j'ai je suis tout le temps, même quand j'arrive à trouver les moments pour moi, je suis tout le temps dérangé, quoi. Sauf si c'est les 22h. Donc là, j'apprécie le soir de me poser. Donc là, on est mercredi, donc on est en finale. Donc je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, j'ai un décollage de 2 jours il me semble. Donc on est en finale. On est en finale. Hier chez moi ça klaxonnait à mort. On est dans une petite ville et en fait ça. Une petite résidence, puis tout autour, donc les gens ils faisaient des tours de voiture. Ouais, donc ça à foutre. Faire les tours de voiture. Et ça klaxonnait à mort, ça chantait on est en finale et tout. C'était très festif. J'ai dû prendre une vidéo des klaxons. Pas forcément au moment où ils étaient le plus fort, mais je vous la mettre là. Et voilà, ça a duré un bon moment. Hein. Ça a duré au moins 45 minutes. Bon, évidemment, t'as une tête comme ça. T'es obligé de fermer les fenêtres parce que tu peux pas faire. David, il n'entend rien à la télé. Voilà. Non, c'est stressant. Enfin, c'est stressant. Le bruit constant comme ça, c'est chiant. Mais c'était très festif. Donc voilà. Donc bah vivement le 15, hein, qu'on sache. Et qu'on puisse faire comme un 98. Enfin voilà, bref. En plus, c'est vrai que je suis pas tiré spécialement. Je regarde pas les matchs, moi. Je regarde les scores. Le reste, je m'en fous. Bref, allez, je pars au boulot. Enfin, j'y vais. Ciao. Petit coucou du soir. J'essaie de mettre mon truc. Quelle heure est-il ? 17h21. J'ai rentré du boulot.
Je suis crevée, crevée. Par contre, j'ai super bien dormi cette nuit. Et en fait, j'ai eu pas mal de boulot et j'ai eu pas mal de boulot, vous savez, sur Excel. Et du coup, je travaille pas mal sur Excel. Et je travaille sur des fichiers et tout. Et au bout d'un moment, t'as les yeux qui se croisent. C'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, t'es épuisé. C'est un truc de malade. Donc voilà, je suis rentrée. David n'est pas encore rentré. Ce soir, je sais pas ce qu'on mange. J'ai pas envie de barbecue. J'ai pas envie de faire manger. Même un truc simple, j'ai pas envie. Donc voilà, peut-être que est-ce qu'on va se commander du japonais ou pas, pourquoi pas. Donc là, je vais. C'est bizarre parce que qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il me parle de mon rendez-vous anesthésiste? Mon Mac là, alors que c'était hier. Le 11 juillet. Ah oui, non, c'était le 10. Hein. Enfin, bref. J'ai un problème avec les rendez-vous, moi. Bref, donc là je me mets devant le Mac, je vais regarder s'il y a des commentaires, je vais noter les gens qui se sont inscrits pour le concours. Et puis voilà, puis après je vais voir. Je fais pas de lessive ce soir, David il fait du télétravail demain, donc il en fera sûrement une demain midi. Il fait pas un temps, il a fait frais, enfin beau mais plus frais, il faisait que 20 ce soir. Donc c'est très étonnant, on a perdu 10 degrés, et ça fait bizarre, mais ça fait honnêtement ça fait du bien parce qu'on se sent vraiment mieux. Donc voilà. Je vous reprendrai peut-être plus tard, peut-être pas, ça dépendra de mon envie, de ce que je fais pas et tout. Voilà. Voilà, j'ai répondu aux commentaires et en fait quand je suis au boulot et que je reçois des mails pour le concours, pour les inscriptions, donc je peux pas les noter tout de suite sur mon carnet. Donc du coup je me suis fait voilà. Je rajoute là aujourd'hui je dois rajouter Lucie R et Catherine. J'ai juste mis G mais elle se reconnaîtra. Que j'avais croisé à Noz, chez Noz une fois. Et voilà. Et après le soir, quand je rentre, bah, je les rajoute sur mon petit carnet. Voilà. Puis après, j'efface là-dessus. Ah, c'est toute une organisation. Catherine. Hop, t'es numéro 31, Catherine. Voilà, comme ça, là, j'efface. J'ai pas été voir mes mails encore, si j'en avais d'autres. Je vais aller voir. C'est du boulot, hein. Répondre aux commentaires, répondre aux mails, noter les trucs. Voilà, mais j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je me lave les cheveux demain matin. Voilà, j'ai monté le vlog, donc je suis à 8 minutes. 8 minutes. Vous vous rappelez autrefois quand j'ai gagné, enfin quand j'ai reçu le truc du petit Marseillais, là, quand j'étais ambassadrice, n'est-ce pas? Ambassadrice, quoi, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Quoi. Et j'avais reçu des échantillons là, visage et corps à la menthe douce. Non mais j'ai un problème. Hein. Je vous en ajoute deux dans le concours. Voilà, pour ça qui gagnera. Voilà. Hop là, ça prend pas de place, ça prendra pas plus de place et puis peut-être que ça vous fera plaisir, je sais pas. À voir quand vous recevrez. Voilà, donc je pense que. Ah ben le soleil arrive là. Voilà, voilà. Le soleil arrive. Je vais clôturer donc ici. Et je vais vous dire ce que je vous dis toujours. Si j'y ai besoin, je vous reprendrai. J'ouvrirai un nouveau vlog, etc. etc. Donc je vous fais des gros bisous, mes amis. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.